Théoufik Jalab est né d'une mère marocaine et d'un père algérien tunisien. Il fait ses premiers pas au cinéma très jeune, à l'âge de 10 ans, où il tient le premier rôle, un enfant soldat, dans le film Killer Kid de Gilles de Maistre, prix Cannes Junior. Ayant fréquenté le cours Florent puis le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il fait ses débuts sur les planches dans plusieurs pièces de Wadji Mouawad, l'auteur du film Incendie, notamment dans Littoral et la trilogie Le Sang des Promesses qu'il joue à travers le monde, partant du Canada jusqu'au Japon, en passant par la cour d'honneur du Palais des Papes, où la trilogie se joue toute la nuit. 12 heures de spectacle. Il enchaîne ensuite sur un projet autour des Mille et Une Nuits, mis en scène par Tim Supple, ancien directeur de la Royal Shakespeare Company à Londres. Ce projet a été créé au Maroc avec une vingtaine d'acteurs et de musiciens venant des quatre coins du Maghreb et du Moyen-Orient, d'une durée de 8 heures. Le spectacle obtient l'Angel Award du meilleur show du Festival International d'Édimbourg. Il a obtenu le prix de la meilleure interprétation au Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2010, pour son rôle dans le téléfilm Frères. En 2013, Théoufik Jalab partage avec Jamel Debbouze l'affiche des films La Marche est née quelque part.